Salut à tous, c'est Pangnoshino, bienvenue sur cette vidéo de Squatch. Allez, on est parti aujourd'hui, on commence en boxe. 1, jab, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de l'autre côté, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rotez, l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On pense bien. 1 en retrait, 2 en avant, 3. Toujours tout cool. 1, 2, boum. 1, 2, 3, allez, hip. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, allez, toujours classique. 1, 2, 3, 4. C'est parti. 1, 2, et 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, on continue après, 11, 12, 13, 14, 15, pensez, 16, à bien faire vos transferts de poids, 18, 20. On passe de l'autre côté. 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3, 4. Allez. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. On pense toujours à cheminement avec nous. Transfert de poids. Ok, donc on continue à bosser nos transferts de poids. 1, 2, d'accord. Et on va peut-être pouvoir ajouter un petit yoko guéri. 1, donc, pardon, cross, coude. Donc, on est ici, on allait chercher le partenaire, on revient et là, boum, on va repartir yoko guéri. Ok, 1, 2, yoko guéri. Vous vous souvenez, hein, yoko guéri, c'est notre coup de pied qui est latéral. D'accord? Donc là, on est ici. 1, 2, yoko guéri. On peut même, pour être plus logique, hein, cross, hop,
Boum. Et on y va. Pas main wachie, hein, pas circulaire. Donc, jab, cross, coude, boum. Et on y va. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, on fait de l'autre côté. Donc, 1, 3, on pense, boum. Donc, on dirait. 2. Hop. On pense que le mouvement ne doit pas nous empêcher de transférer les poids de notre corps. Là, là, côté, côté. On va chercher cette idée-là, d'accord ? Jab, uppercut, et je peux revenir sur ma diagonale. Jab, uppercut, je peux revenir. Peut revenir, qu'importe. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Maintenant que vous êtes un peu plus chaud, hein, n'hésitez pas à bien rentrer dedans. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Donc, mettez du kiné, faites vos transferts, le déplacement peut être neutre, enfin, va être neutre. Il n'y a pas forcément un transfert sur le déplacement. C'est je suis sur mon déplacement, je me pose et j'y vais. D'accord ? En général, on tente de rester relativement équilibré. C'est assez rare qu'on fasse ça. D'accord ? Petit karaté kid. Pour revenir là. Ça existe dans les styles tradis. Type, je suis arrivé là, Gedan Barai. Je décale et je vais me défendre, mais dans l'absolu, sur notre face boxée, c'est pas cohérent. Donc, on pense qu'il y a déplacement, transfert de poids, déplacement, transfert de poids. Allez, on refait 2-3 fois pour tester. J'avance, uppercut, je décale, percu. J'avance, uppercut, je décale. On pense bien à mon transfert de poids. 1, transfert de hanche. Boum. Et on pense bien toujours mes pieds qui sont la base de mon déplacement.
je bouge, 1, je décale, je bouge, transfert de poids, et je peux y retourner. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc, on va donner des crochets pour travailler encore la jambe, la hanche, les bras. La spécificité des crochets, c'est qu'il en existe plusieurs. En général, on a la vrille. Je vrille comme ma percute-poing. Je vrille. Je vrille. Vous vous souvenez? J'ai un verre. Je le vide. On monte pas trop l'épaule, même si parfois ça dépasse, on tente de rester à 90. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir une obligation de forcer sur la jambe pour avoir un impact, vu que en général, le crochet est un peu plus court. Donc, vous pensez, vos pieds, ils vont être initiateurs. Même si là, comme je vous dis, c'est exagéré, en combat, ça va être assez court. C'est pas forcément si poussé. Mais j'initie. D'accord? Et je reviens. Là, on va revenir avec le uppercut. Ce sera plus cohérent que retourner complètement. Ce qui m'intéresse, c'est le premier pour l'instant. D'accord? Crochet en retrait. Type quelqu'un qui arrive sur une fin de mouvement, tu décales, bah! Et tu tapes la mâchoire. C'est pas toujours simple, mais sur les contreurs, ça le fait. On peut avoir jabé le gars, le mec prend, tente, on absorbe, on décale et pouf! On va chercher à aller taper le menton, la tempe, les zones sensibles. Pensez, hein, cette zone-là, c'est la zone très sensible au niveau des percus. Donc, on est là et on percute. On va d'abord faire que le crochet pour qu'on soit bien avec ça. Je ne veux pas que vous fassiez ça. 1. Pensez. Allez, tournez pour que ça fasse biomécaniquement tourner le reste du corps. On ne va même pas donner de coup au départ. Vous allez rester les deux mains là. Pas forcer, hein, mais juste coller. Et vous allez juste tourner. Je veux que vous tourniez en mettant cette intention dans les jambes pour qu'il y ait vraiment tout le corps qui suit. D'accord? On fait 5 fois comme ça et après on fera les bras tendus. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, maintenant, relâchez les bras près de vous et vous recommencez. Le pied, il tourne. Et vos bras, vous les laissez détendus. Lâchez vraiment pour voir qu'est-ce que ça crée comme mouvement. Vous voyez que il y a tout qui se tourne. Ma hanche, ça entraîne mes bras. Et là, je n'y mets pas de force. Donc, ça doit suivre. Le bras doit arriver. Ok, on refait 2 fois. Pensez à ça. Bras détendu. Ok. Maintenant, on met nos poings pour les 15 minutes. Hausse, merci. Donc on remet nos poings. On est là. 1. Pensez. Je lève. Au moment où je suis à la fin de mon mouvement, c'est-à-dire que mon épaule est prête à partir. Je vous avais dit, hein, dans les styles tradis, on fait moins partir les épaules.
Là, sur un style boxé, on accompagne de l'épaule et on peut regarder sa montre si on veut, d'accord? Je regarde ma montre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prendre l'autre côté, même chose, on tente 2-3 fois, pensez, ça vient de mon pied, je tourne mon pied, je tourne mon pied, je tourne mon pied, et maintenant on percute, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous ne pouvez pas tendre trop tôt l'épaule. L'impact doit se faire. Si vous êtes tendu, raide là, c'est sentir que ça va être compliqué pour le mouvement. Donc, en fait, c'est sur la fin qu'on bloque tout, comme sur la percu. On est détendu jusqu'au moment de la percu où on est obligé de tout gainer à ce moment-là. Ok. On reprend les armes. Donc, là, on vient de voir cette notion de crochet. On a vu cette notion de partir au niveau du balancier, donc du transfert de poids. On va juste faire un transfert de poids arrière et faire un angle 1. Juste un angle 1. Angle 1 en slash, pas en percu, je reviens. On le fera après ça. D'accord? Donc là, c'est du slash. Ça correspond au fait de vouloir couper avec son sabre, couper avec sa machette. Avec le couteau, c'est un peu différent, mais ça peut slasher aussi, hein, bien sûr. D'accord? Donc, on tente d'être assez proche de sa tête. Au niveau de l'arme, on évite de trop ouvrir. Parfois, on a tendance pour taper fort à ouvrir. Ça peut, hein, mais c'est juste que dans les mouvements de base, on va tendre de pas trop ouvrir. Comme sur la percu, si j'ouvre trop, j'ai moins de force, moins d'énergie. Ok, transfert. Et quand mon transfert est fini, je reviens devant, je repasse. Transfert. Et 2. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et vous pensez, hein, c'est bout de jambe arrière qui entraîne. Vu que là on est en retour là, tout est sur l'arrière et c'est là où je lâche complètement. Donc ma jambe arrière va me faire avancer, va me faire transférer le poids. Allez, ici, 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 ici. Très bien. Alors, même chose de l'autre côté. On pense. Pareil. Je suis, je reviens. Et je repasse. D'accord? Je reviens. Et je repasse. Et je repasse. Donc, je pense que c'est parce que j'ai l'arrière qui me permet de. Que je peux passer ma hanche. Ma ligne de hanche. Et ce que je veux placer. D'accord? Je suis là, je reviens, tiens, et je laisse passer ma ligne de hanche. Tiens, et on revient. Tiens, et on revient. Tiens, et on revient. Tiens, et on revient. Et on revient. Et on revient. Et on revient. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
6, 15, 6, 16, 6, 17, 6, 18, 6, 19, 6, 20. Ok, donc toujours ces mouvements-là, on va chercher 1, 2. Comme je vous avais dit, principe de Kali, d'Arnis, d'Escrima, c'est de prendre un triangle au sol. Et le pied arrière et le sommet de ce triangle. D'accord ? Ce qui nous permet des transferts de poids, poids sur l'avant, poids sur l'arrière. Hop, poids sur l'avant, poids sur l'arrière. Là, je le fais en exagéré, mais ça va être l'idée. Je cherche là, et ma hanche va passer. Donc, on rajoute angle 1 pas fort, là c'est juste pour les mouvements, et angle 2. Donc, vous vous souvenez, angle 2. On va travailler dans un premier temps sans mouvement. Angle 2, et je ne vais pas vous demander de ramener, je vais vous demander d'aller casser. Comme si vous vouliez percuter et revenir. D'accord ? Percuter et revenir. Comme une frappe. Là, vous allez avoir le même principe. On a soit le slash, sauf que à main nue, le slash, c'est pas jouable. Hormis la patte de la griffe de tigre ou autre, mais. De manière générale, une percu, c'est ça l'impact, ça revient. Là, quand on a une arme qui coupe, je peux continuer, ça va trancher. Quand j'ai un bâton, je peux potentiellement continuer. Mais l'idée du bâton, c'est quand même de casser, de faire mal. Donc, même si le slash peut être impactant au départ, c'est pas la même chose que ramener rapidement, d'accord ? Donc là, ce qu'on pense, c'est juste à ramener. Bam, je percute. Bam, en gros même, on va même aller moins loin. On va imaginer qu'on veut taper au niveau de la tête. D'accord ? Bam, bam, bam. Comme si on voulait taper au niveau de la jugulaire, au niveau de la face. Bam. D'accord ? Donc c'est comme si on voulait faire un ici, deux là. Ça, alors, là pour l'instant, ça va vous demander moins de force. Il y a vraiment beaucoup le bras qui bosse. Ce qu'on va chercher, pour rester dans notre logique, c'est d'avoir un recul et de le faire. D'accord ? Là, vous allez voir, votre hanche, elle bouge moins. Normal, vu que vous allez casser. Alors, pour que ça donne un truc plus sympa, on va vraiment faire 1, 2. D'accord ? Comme ça, vous allez être court. À la place de se lâcher complètement, court, court. Court, court. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vous voyez, c'est pas hyper cohérent quand on s'habitue à se lâcher, mais c'est plus cohérent quand on a un bâton. Ok, donc on pense. Cette diagonale-là, soit on percute, soit pour revenir, c'est notre mouvement de base. Angle 1, angle 2, angle 1, angle 2. D'accord ? Donc là, pareil que tout à l'heure sur cross jab, je vous demande juste, sans force, d'aller sur cette idée-là. 1, avant, 1, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant. Voyez bien, c'est votre jambe qui crée le travail. On aurait tendance à vouloir que ce soit que le bras. D'accord ? C'est le problème parfois qu'on a avec les armes. C'est que on se dit, bah c'est bon, il suffit que je passe que mon bras, ça va faire mal. D'ailleurs, vous avez des trucs où on a beaucoup ce type de choses-là parce que l'inertie va permettre de faire mal à l'autre. Le problème, c'est que d'un point de vue purement technique, c'est moins bon. Ce qui a été intéressant, c'est que par exemple, les Dog Brothers qui ont fait des combats pleines balles avec les bâtons,
ils insistent vachement pour que les coups droits, les angles 1, ce soit des vrais, vrais coups. Pas juste. T'as vu, j'ai manié mon bâton. Waouh, super, je sais faire des trucs de ouf. Non. C'est vraiment. On va chercher à faire mal. D'accord? Donc là, c'est ce que je vais vous demander. Sur le même principe que notre gauche-droite de tout à l'heure. Ben là, je veux la même chose. 1, c'est la jambe. Ça revient. Ça repart. Ça revient. Ça repart. Ça revient. Et c'est reparti. Je réattaque mon mur. Allez, on continue sur cette notion-là. Je veux vraiment que vous ayez votre hanche qui tape. Pensez. Là, vous tranchez. Vous tranchez votre partenaire. Vous tranchez votre adversaire. Vous tranchez ce qui vous dérange. Pensez, hop, surface de vous. Une peur, un stress, une maladie, hein, un mal-être, hein, allez, ce qu'importe, une angoisse. Allez, tiens. Utilisez bien vos hanches. Faites-le peut-être moins fréquemment. Faites-en 1, 2, dur. Revenez en garde. Et on est reparti. On se protège, on met en garde. Ça vient de l'arrière. Ça revient depuis l'avant. Et on y retourne. Allez. On revient. On revient. Lâchez-vous sur vos coups. Osez donner fort. Osez traverser. Allez. 1. On revient. On revient. On revient. Sentez que ça part de vos jambes. Ok. Juste pour finir, vous tournez simplement le bâton comme ça. Et au fur et à mesure, je veux que vous rentriez votre coude intérieur, extérieur, un peu sur le côté. Ça vous permettra de bouger un peu l'épaule. Allez, de l'autre côté. Ok, cool. Ok, les 30 minutes. Merci. On passe au sol. On prend notre partenaire sac. Donc, on revient sur nos notions de passage de garde pour l'instant. Ok ? Là, ce qu'on va faire, on va faire un passage de garde que vous avez déjà vu debout. Ah non, que vous n'avez pas vu. Non. Qui va être ce qu'on appelle un knee-cut. Donc, les jambes de partenaire sont autour de moi, je suis en garde fermée. Je viens de réussir à ouvrir la garde, donc il n'y a plus les pieds croisés derrière. Et dès qu'il ouvre sa garde, je monte mon genou. D'accord ? Je monte mon genou. Et nous, on l'avait vu. Pour souvent se relever, être là et partir en temps rando. Là, on ne va pas partir en temps rando, on va vraiment partir en knee-cut. C'est-à-dire que mon genou, il se trouve au niveau de l'aine. Hop,
Je tiens mon partenaire au niveau du haut du col, là où je pose juste ma main, au niveau en gros du cœur, ou au niveau du plexus, n'allez même pas au niveau cœur, allez au niveau plexus, sinon on peut vous faire tomber. Vous allez prendre le bras du partenaire, niveau du triceps, vous allez glisser, non pardon, vous allez lever et glisser sur le côté. D'accord ? Cette posture, vous la connaissez déjà. D'ici, je prends la tête, je switch, ça vous connaissez, et vous revenez en son kilo. Et on le fait de l'autre côté. Donc je reprends. Là, je le fais de l'autre côté. Main au niveau, j'ai ouvert la gamme. Main au niveau du plexus, l'autre au niveau de la main. Je lève, je suis au niveau de l'aine du partenaire. Je vais maintenir, je vais commencer à aller en diagonale, comme si je voulais passer ici en fait. Je passe, oh, je mets un peu de pression, là je lève pour être bien tranquille. Je tire le bras, et là je vais juste glisser sur le côté. Je passe, je contrôle la tête, et je repasse, hop, posture, 1, 100 kg. Et là, je contrôle. On recommence. Main plexus, main en bas. Ou je peux même avoir descendu son genou. Ah, j'ai descendu son genou là. Je vais prendre son. J'ai descendu son genou. Je ramène ma jambe. Je contrôle mon partenaire. Je vais lever celle-ci. Je contrôle. Je passe. Et je reviens. Allez, on recommence. On refait la première forme, c'est plus simple. Il a la garde ouverte. 1, boum. J'ai le bras. Ok. Je me lève. Hop. Super. Je contrôle mon partenaire. Je vais passer ma hanche. Mon genou part à 90 pour les plus habitués. Je passe. Je contrôle la tête. Je reviens. Contrôle 100 kg. On recommence. Bam. 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 Et je contrôle. L'idée est vraiment de pouvoir passer au niveau de la hanche si vous choisissez un chemin 45 ou au niveau du haut du genou, limite de la cuisse si vous cherchez à 90. Je suis là, je pose, je pense bien à poser. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que mon partenaire puisse se relever. S'il se relève, je peux être en danger. Donc je vais être là, hop, je lève, boum, je lève, je prends le bras, je vous demande de descendre. Comme ça, vous êtes sur cette partie-là ou la hanche. Partez glisser. Daniel, tu penses, tu pousses avec tes fesses. Tu ramènes, comme ça, ça garde, et sur le côté, cross face, 100 kg. Ok, donc, là c'est vraiment un passage typique, et ça vous impose une base qui n'est pas forcément très classique dans plein d'arts martiaux, qui n'existe même pas d'ailleurs, c'est cette base-là. Hop, ça c'est une base. C'est-à-dire une posture dans laquelle je dois être fort. Je dois pouvoir rester, je dois pouvoir créer, je dois pouvoir ne pas me faire déséquilibrer. D'accord ? Donc, cette base-là, elle est importante. Surtout quand on a un jeu où on ne se lève pas. Bon, ça ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas du tout, mais pour Daniel, par exemple, quand tu sens que tu n'arrives pas à te lever, le mec te tire, vaut mieux ouvrir sa garde, placer le genou, ce qui nous permet d'avoir une cale. D'accord ? Et après, on commence à travailler. Là, tu peux te lever si tu veux, à ce moment-là. Et encore, lever, c'est beaucoup dire. J'ai simplement, je suis passé au-dessus de sa jambe. Et là, on y va. D'accord ? J'ai son bras. Je passe ma hanche. Je décale. Je pousse avec mes fesses. Je reviens. Crossface. Donc maintenant, on va le faire sur une formule MMA.
Souvent, ce qui est dur, ça va être d'ouvrir la garde du partenaire. Quand ils ferment là, c'est une galère, hein, parce que les gars vont vous tirer vers eux, constamment. Ils vont casser, tenter de casser votre base. Mais à savoir, hein, on l'a déjà vu, ça fatigue de serrer fort. D'ailleurs, on va le faire. Fermez bien la garde autour de votre sac très fort et resserrez, serrez, serrez. On va le faire pendant quelques secondes. Allez, c'est parti. Serrez fort, serrez fort, serrez fort. Vous pouvez même descendre, remonter, comme si le mec essayait de se barrer. Allez, encore. Vous allez voir que ça travaille assez rapidement et que ça fatigue. Et que, en général, quand ça fatigue, c'est là où le mec va tenter d'ouvrir le plus. Hein. Allez, encore. Ok. Donc là, on vient de faire 30 secondes. À savoir que il y a des moments où on passe des gardes fermées 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 10 minutes en garde fermée. Et pendant ce temps-là, on ferme, on ouvre, on referme. Mais plus on referme, plus on se rend compte que c'est crevant. D'accord ? Et souvent, les gars, ils forcent pour nous ouvrir. Donc en plus, on a un jeu d'opposition. Allez, on est reparti pour 30 secondes. Allez, on ferme notre garde, on y va. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Allez. 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 Continuez à serrer. Hein. Ok, yamé. Donc, faut voir que lui, il ne va pas nous laisser. Parce qu'il va tenter soit de nous renverser, soit de nous soumettre. Soit d'éviter de se prendre des coups dans la gueule, surtout dans une facette MMA, combat libre. Nous, on veut passer. Donc, moi, quand je mets mon genou ici, bah, il a le genou qui va être là, ou ici. Et il va passer en se levant au-dessus de ma jambe, en contrôlant mon bras, en évitant que je me relève, et il va glisser là, pour passer le prendre en 100 kg. Donc, ça serait une formule sympa, plutôt jiu-jitsu. Alors, sur une formule plus sympa avec des percussions, on va faire un peu, on va faire 1, 2. Alors en fait, l'idée, c'est aller taper à l'intérieur, aller taper les cuisses. Mais il faut qu'on garde la garde. Donc, vous faites attention de ne pas vous lever, sinon vous vous mettez en danger. Vous gardez les bras assez proches du corps. Et c'est comme si vous vouliez aller attaquer le haut de la cuisse. D'accord ? On va le faire quelques fois. Allez, go ! Allez ! Allez ! Encore ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Encore ! Encore ! Encore, 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 allez, 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 allez. Ok, maintenant, on va faire, comme on l'avait déjà vu, j'ai commencé un peu à fatiguer les gars, et je vais taper aux côtes et à la tête. Côte, tête. D'accord ? 1, 2. Donc, vous pensez 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous avez vu, c'est pas des super gros coups, mais en fait, ça va te faire réagir. Et c'est ce qu'on veut. Et maintenant, on va rajouter un Donkey Kong. Je suis allé sur le haut, bam! Je redescends. 1, 2, 1, 2. Bam! 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 1, 2, 1, 2. Ha!
Donc, je me souviens que j'avais un prof il y a longtemps qui me disait on attendrit la chair comme ça, histoire que le mec au sol soit moins mobile et un peu peur. Alors, le danger toujours, c'est qu'un très bon grappleur peut vous retenir, vous isoler un bras, jouer sur un déséquilibre que vous avez. C'est pour ça que le travail en grand handpan, hormis quand on est en position montée, montée dos, quoi, les positions fortes, dos, 100 kg sur le côté hein, latéral, en montée à cheval ou à cheval dans le dos, prendre le dos, on tente toujours d'être proche. On ne va pas se permettre de se lever de ouf, à moins pour certains qui ont une super bonne garde et qu'on a des appuis de lutteur, on se pose sur le gars et on reste comme ça et on tente de taper. Ça marche avec certains, avec d'autres ça peut être dangereux. D'accord, mais la plupart du temps, bien sûr, si vous êtes là, clairement vous êtes fort. Parce que le gars aura les jambes autour et là vous avez toute la force, plus toute la... bon voilà quoi, voilà, Newton, toute l'inertie, c'est pas l'inertie, le poids de toute façon qui descend, d'accord. Donc, on va maintenant refaire notre travail. On va unir les deux éléments. Je frappe. Donkey Kong. J'ouvre ma garde. Je passe mon partenaire. Je fais attention. Je reviens. Et là, je fais 2-3 Donkey Kong. Et je repasse dans la garde. Vu que c'est un des points les plus galères, d'ouvrir la garde, là, on le fait avec les percus. Allez, 1, Donkey Kong, passage, hop, je reviens, hop, je passe, je reviens, et je reviens au milieu. Je suis là, je suis ici, hop, côté, tête, Donkey Kong, je me pose, je mets mon genou, je passe, je contrôle sa tête, je fais bien les mouvements, je remonte. 1, donc il compte 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens dans sa garde. On est là. 1, 2, donc il compte. Il a ouvert sa garde. Je mets ma base. Je passe. Je pousse. Je reviens. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient. Et merde. Bon, on fait encore 2 fois, après on s'arrête. On est là. Tire. Contrôle, on passe au-dessus. On se laisse glisser. On pousse les hanches pour ceux qui connaissent. On vient. 1, 2, 3, 4. Ok. Très bien. Donc, là, on a pu voir toujours ce travail de hanche qui est important. C'est notre priorité. Ces transferts de poids, là, ils sont exagérés, hein, pensez bien. En combat, avec les années, vous allez moins le faire, bien que certains le font encore assez marqué. Ça dépend vraiment de forme de camp, mais plus on va accélérer, moins ce sera, le transfert sera visible, palpable, il sera moins grand, en fait, moins large. On pense, notre pied est essentiel. On le voit dans notre quali avec le bâton, on le voit dans notre boxe. Là, pour l'instant, je ne vous embête pas trop avec la lutte. Mais ça va être la même chose. Passage de garde. Knee cut, important. Très important. On a 5 passages vraiment clés en jujitsu qui vont être donc les passages en knee cut. Over-under que vous n'avez pas vu, que vous ne verrez pas. Over-under, double-under. Bon, ça, vous ne le verrez pas. Ce n'est pas possible de vous le montrer. On a déjà vu Torando. Leg drag, vous ne l'avez pas vu, mais ça, vous ne le verrez pas. Et des reverse, voilà. Donc, ça fait que on n'a pas 40 000 techniques. Après, il y a des variations de toutes celles-ci. Hein. Il y a parfois il y a 10, 15, 20 manières de le faire sur la même technique initiale. Mais globalement, il faut penser entre 5 et 6 techniques de passage. Et après, en fait, ça va dépendre si on est proche, si on est loin, et des différents paramètres du partenaire. Et de nous-mêmes, nos propres paramètres. Donc,
pensez bien à vous hydrater, à vous reposer. C'est le week-end, je ne sais pas si vous vous êtes reposé cette semaine, mais n'hésitez pas à vous reposer demain ou à vous reposer un jour dans la semaine, c'est important pour la récup. Et moi, je vous dis à plus tard. Ousse!